potes, ici Myoxnova. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est sur Minecraft. On peut dire que c'est mon jeu préféré, effectivement. Alors, j'ai trouvé un mode. C'est un mode génial. Donc, on est en 1.7.10. Alors, c'est vrai que c'est une vieille version. Mais c'est juste génial. En fait, on va avoir un écran. On va. En fait, c'est un PC. C'est juste un ordinateur dans Minecraft. Limite, tu pourrais aller sur des sites de jeux, tu pourrais jouer à Minecraft, quoi, je veux dire. C'est possible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire avec... Aïe! Excusez-moi, je viens de me faire mal. Donc, avec un web screen, donc dans votre panneau de votre mode. Et le mode s'appelle... Je peux pas vous le dire, je vous le mettrai affiché ici, je pense. Dans votre panneau de mode, vous allez prendre web screen. Vous allez faire un comment ça s'appelle? Un écran. Et vous pourrez mettre la taille que vous voulez. Par exemple, mais ça c'est pas possible ça. Il faut au moins 4, comme ça. Là, c'est le plus petit que vous puissiez avoir. Tac. Après, vous pouvez faire aussi grand que vous voulez, vous pouvez faire un cinéma, c'est possible quoi, je veux dire, c'est pas impossible. Donc, vous faites ça, c'est tout simple, vous avez juste à faire un clic droit, et là votre écran il est allumé. Bon, des fois il bug un peu quand vous changez le regard, mais ça c'est un détail. Alors, là il va falloir mettre votre clavier. Donc là vous avez un beau clavier, eh, faut avouer que c'est bien fait, vraiment, c'est bien fait. Dans Minecraft, quoi. Vous avez ça dans Minecraft. Déjà, je veux dire, c'est bien, quoi. Donc là, il va falloir les associer avec ce petit... on peut dire une espèce de télécommande. Ça s'appelle un wireless linker. Donc en gros, c'est un lien. En gros, vous voyez les claviers et souris sans fil. Vous devez mettre une espèce de clé USB sur votre PC. Et ben en fait ça c'est la même chose mais il n'y a pas de clé USB en fait. Donc vous prenez votre écran, vous faites un clic droit, voilà. Donc là écran sélectionné, s'il vous plaît, faites un clic droit sur le périphérique auquel vous voulez associer l'écran quoi. Maintenant. Et là je le fais. Et là c'est lié, ils sont liés. Donc je fais un clic droit et là en haut à gauche, mince. En haut à gauche, il y a écrit Keyboard Hooked. Press Escape to close. Donc là, on me dit clavier regardé. Enfin, clavier sélectionné, on va dire. Press Escape to close, ça veut dire appuyer sur Échappe pour fermer. Bon, en fait, ça, c'est parce que vous allez pouvoir écrire. Donc ici, vous allez lier également votre. C'est, je crois que ça s'appelle une souris. Non, c'est la télécommande. Donc vous allez lier, hop, clic droit, écran, clic droit, télécommande. Et vous allez cliquer sur votre télécommande. Vous allez choisir le lien que vous voulez. Moi, au plus simple, je vais prendre Google. Donc google.fr. Voilà. Et paf, ça va s'afficher. Alors effectivement, les résolutions sont pas super, mais déjà le fait d'avoir Google dans Minecraft, c'est incroyable. Regardez, il n'y a rien, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. C'est juste un écran. Et juste dans un mode. C'est juste étonnant. Vous pouvez faire la recherche que vous voulez. Donc là, vous faites un clic droit pour sélectionner votre barre de recherche. Un peu comme dans la vraie vie, quoi. Vous allez cliquer sur votre clavier. Donc là, ça va vous afficher le mot en haut à gauche. Vous allez par exemple mettre YouTube. Voilà. On met YouTube. Tac. Hop. On sélectionne YouTube. Voilà. Donc là, on est sur YouTube. C'est ouf, non? Non. Eh, déjà. Déjà. On est sur quelque chose de trop bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Donc là, on va faire une recherche. Tac. On va redescendre sur notre clavier. Et on va sélectionner, je sais pas, par exemple, Myoxnova, ma chaîne. Ah oui, au fait, d'ailleurs, ça y est, on peut la rechercher. Ça y est, maintenant, on la trouve.
Là, vous avez ma chaîne. Donc voilà, trois vidéos. Salut les potes, ici Mestova. Machin. Donc là, vous allez cliquer sur machin, ma chaîne. Voilà. Et là, vous avez toutes mes vidéos. Vous êtes sur ma chaîne, vraiment. Et vraiment, en plus, regardez, on va pouvoir écouter les vidéos. Hey les potes, ici Mixnova. Est-ce que c'est pas génial? C'est pas génial? Bon, effectivement, on regarde bien la qualité, c'est vraiment des pixels, c'est pas super. Mais dans Minecraft, quoi, je veux dire, dans Minecraft, vous êtes dans Minecraft, vous allez sur Internet. Je sais pas si vous vous rendez compte, s'il y en a qui connaissent un peu Minecraft, c'est juste ouf, c'est improbable. Donc voilà, vous avez Minecraft et tout. Et vous pouvez même entendre le son. Je sais pas si par contre vous On se l'entendez. retrouve aujourd'hui pour Ouais, c'est allumer. bon. Vous l'entendez. Bon, par contre, le seul hic qu'il y a, c'est qu'on peut pas mettre en plein écran. C'est pas possible. Mais c'est super. Alors après, vous avez une donc un Mindpad. C'est une tablette. Donc là, il va falloir l'associer sur votre écran. Donc tout simplement, vous allez faire un écran. Un écran. Vous allez faire un clic droit avec votre tablette sur votre écran. Et paf! Lié. C'est lié. Et là, vous avez votre tablette. Donc vous allez pouvoir hop, Vidéo actionner la vidéo. sur un jeu de Et paf! papier nommé Notruf Voilà. 112. Vous pouvez vous éloigner. Donc on est là pour Et attendre les vous avez toujours votre vidéo. interventions, Par les contre. faire. Ah si, on entend encore. Donc c'est plutôt intéressant Je sais comme pas si intervention. on Alors on va se désassocie mettre les Ready to la Respond tablette. Station, c'est-à-dire qu'on peut Ça suffit. Par contre, pour écran, éteindre votre écran, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de casser. Mais là, ok, on désassocie. Voilà. Là, ils sont désassociés. Hop, on va pouvoir. Ah, fuck. Ah bah lui aussi il est désassocié visiblement. Ah bah oui, non, c'est normal. Oh là là, et je suis vraiment pas doué. Hein. Allume-le, toi. Non, ils sont désassociés. Voilà, là ils sont associés. Donc on va mettre deux points slash slash youtube.com. Voilà. Tac. Là on est sur youtube.com. Donc on va rechercher, on va mettre, je sais pas, par exemple. Voilà. Donc là, on a remis une vidéo. Et si on s'éloigne. Ah ouais, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Voilà. Salut les potes, ici Myoxnova. Aujourd'hui, on se retrouve avec Xerox. Non, C'est toi. Donc voilà, petite présentation du mode. Je vous redirai, je vous marquerai comment il s'appelle ce mode. Parce que j'ai plus le souvenir de comment ça s'appelle. Mais vraiment. Enfin, si vous jouez pas à Minecraft, vous pouvez pas vous rendre compte. Mais le fait d'avoir un écran déjà qui fasse ça, c'est incroyable. Excusez-moi. C'est incroyable d'avoir un écran dans Minecraft qui s'allume et qui s'éteint. Mais en plus, pouvoir aller sur Internet, c'est juste un miracle. Bon, visiblement, comme il est en 1.10. 1.7.10, pardon, excusez-moi, je m'embobine. Il est en 1.7.10, c'est une vieille version. Donc, ce qui fait que, bah, forcément, ça doit dater un petit peu ce mode. Mais, j'avais déjà vu, donc sur YouTube, une présentation de Fury Jumper. Il avait présenté ça, et ça m'avait marqué. Et là, je sais pas, tout à l'heure, il y a quoi, 2 heures de ça. Je suis allé, c'est revenu à mon esprit, et je suis allé sur, donc je suis allé chercher les liens et tout. Ah oui, donc je suis allé chercher les liens et maintenant je sais que ça s'appelle Web Displayer, Displays. Donc on va rechercher, faut le nommer. Voilà. Bah, allez, pourquoi il est désassocié là? Voilà, je vais vous montrer. Acheter. TPS 2 point slash slash google.fr tac
Donc, ce jeune pas, il avait déjà fait une vidéo sur Web Displays. Et donc, ça a l'air plutôt connu quand même. Parce qu'on le voit bien. Toi, tu me saoules. Ça dégage. Voilà. Donc, c'est plutôt bien, je trouve. C'est. Ouais. Donc, voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous demanderai de vous abonner. Si vous le pouvez, hein, évidemment. Mais ça me ferait vraiment plaisir parce que j'ai peu d'abonnés. Et puis moi, ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît. Si ça vous plaît, évidemment. Donc, mettez un like. Abonnez-vous. Et surtout, commentez la vidéo. Pour me dire tout ce qui va pas. Vraiment les plus petits détails. Vous allez au plus loin, vous analysez la vidéo, je m'en fiche, mais dites-le-moi. Dites-moi ce qui va pas, ce qui va bien. Excusez-moi, ça crie un petit peu. Je vais couper mon micro 2 secondes. Écoutez les amis, à très très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.